Bonsoir à tous et à tous, et voici la suite de la pièce théâtre. Mais j'ai vérifié si c'est les bons sites, et je suis sur les bons sites. Là, ça c'est à moi, là aussi, et ce sont deux différents, mais c'est à moi, c'est pas sur son milieu. Voilà. Le milieu c'est que le football. Hein. Bon, la première c'était une erreur, mais je l'ai laissée pour faire plaisir à Milou, mais maintenant ce sont les miens. Voilà. Et donc maintenant, voici la suite de la pièce. On s'organise. Alors, hein? Non, il ne faut pas sonner. Si vous sonnez, la stagiaire, là, hein? Michel, allez, là, elle va s'évanouir. Hein? Il y a quand même bien quelque chose. Ah oui, mais quoi? Hein? La porte est là, on ne sait pas l'ouvrir. La porte est là, on ne sait pas l'ouvrir. Alors, quelle porte vous voulez qu'on ouvre? Hein? Hein? Bon. La fenêtre est trop petite pour passer, puis trop haute pour y arriver. Non, hein? Non, il faut attendre jusque demain. Oh non, parce que demain, parce que demain. Stop, on s'organise, cria le journaliste homme. Enfin, le journaliste. Voilà. Alors, on dit oui, mais. S'organiser, d'accord, mais. Il y a une idée. Ah oui. On va résoudre la situation. Alors, cette porte-là qui ne s'ouvre pas. C'est là qui ne s'ouvre pas, c'est là qui ne s'ouvre pas, c'est là qui ne s'ouvre pas. Ça fait 7 con, 6 cons qu'on sait. Ah non, 5, je suis chez moi aussi. Ah oui, c'est passé comment? Oui, moi je suis Luc Derix. J'habite ici. Oh, ah ouais, ça va. Bon. Vraiment. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un côte. Ah non, le maquet, tirer et pousser. Donc il faut. Donc moi je pousse et il faut tirer. Allez l'aider, voyons. Vas-y. Attends, deux secondes. Je vais pousser. Tu pousses et moi je vais tirer et je vais les aider. Et olé, voilà. Mais Luc, la suite te pèse. C'est la robe qui trompe un peu. Hein. Et oh, hein. Ouais. Voilà, on est vraiment coincé jusque demain. Ben oui, ben voilà. Je vous l'avais dit. Hein. Cette porte-là, à mon avis, l'œil pour ouvrir la porte doit être de l'autre côté et pas de ce côté-ci. À mon avis. Oh, mais c'est les travaux hein, aussi. On a mis la porte à l'envers. Ou là, ils ont oublié de mettre un de ce côté-là. Ou là, ils n'ont pas encore mis. Ils vont peut-être le mettre, mais quand? Ah ouais, mais cette porte automatique, elle n'était pas là hier, hein. Bon. Enfin, je veux dire, jeudi. Ah ouais. C'est depuis vendredi, hein. Ah ouais. Mais que maintenant, aujourd'hui, c'est lundi, mais lundi 2, c'est férié. On est en 2018, hein. On est le lundi de la Pentecôte, donc c'est férié. Donc il faut attendre demain. Demain c'est le dernier. Oui, demain n'est plus bloqué. Demain on est sauvé. Mais aujourd'hui, il faut attendre à quoi attendre. Ah ouais. Ah, vers quelle heure? Vers 14h, ils viendront nous libérer, hein. À 14h? Bah, le temps qu'ils font leur. Hein? Et vous êtes sûr qu'ils vont. Qu'ils sont bien qu'on est ici. Mais faut attendre les ouvriers pour venir. Les ouvriers, eux, ils vont venir faire les travaux. Donc eux ils vont passer et ils vont vous demander quoi et vous allez leur expliquer, vous êtes coincé. Eux ils vont tourner la porte et vous pouvez partir. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Hein? Mais avant qu'ils arrivent à 14h, vous mettez tous les matelas de côté. Hein? Bon. Vous, monsieur Jeunet, vous m'avez donné votre parole de journaliste. Hein? Donc voilà. Il n'y aura que du feu. Hein? Bon.
Oui, mais bon, parce que c'est important, hein. Sinon, je perds mon... Hein? Bon. Oui. Ah, là, normalement, c'est Roberto, mais il est parti en week-end chez sa femme. Hein? Ah, non, non, ils ne sont pas divorcés, hein. Ah, non, non, non. Mais comme lui travaille loin, sa femme habite loin, donc... Ah non, il est pas sur la route, hein. Ah bah, il est pas sur sa femme, je veux dire. Hein, ça. Elle habite à Paris. Et lui, il habite à Toulouse. T'imagines, Paris-Toulouse, c'est loin, hein. Bon. Ah ouais, c'est pas la porte à côté, hein. Eh ben. Ah ben, voilà. Ah oui, ah oui, dans ma question, hein, j'ai oublié de le dire, mais ça se passe en France. On est dans le... Non, ça se passe en France. C'est pas dans un, ça se passe en France dans un tribunal. Voilà. Et ça se passe à Paris. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, Paris est la capitale de la France. Ouais, mon amour, Paris est la capitale de la France. Comme Bruxelles est la capitale de la Belgique et de l'Europe aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Allons. Soyons sérieux. Revenons à nos moutons. Ben. J'ai longtemps que je l'ai plus fait, celle-là. Hein? Ouais. Hein? Bon. Allez, soyons sérieux. Donc, vous êtes coincé. Eh ben oui, ça, on le sait. Hein? Ah oui, ça. Si au moins c'est télé pour faire fortune, ça peut faire passer le temps. Hein? Ah oui. À moins que il n'y a pas le câble. Ça, c'est aussi possible aussi. Non, il n'y a pas le câble. Ah ben voilà. On n'ira pas loin sur le câble. À moins que quelqu'un ait un décodeur et vous pouvez le brancher. Non, pas un décodeur. Ah bon? Ou là, on a regardé les mouches hein, qui tournent. Enfin, ce n'est pas des mouches, hein, c'est. On appelle ça des mouches, parce que ça va des mouches, mais ce n'est pas des mouches. Allez. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, mais enfin, c'est débile de faire ce truc-là. C'est un truc gris qui bouge comme ça dans. Comme une télé en panne. Oui, voilà, c'est ça. Quand vous allez sur. Allez. Comment expliquer ça? Quand vous allez dans. Quand votre décodeur est éteint. Et vous mettez. Et vous allumez. Et vous êtes. Et vous allumez. Et vous allez. Dans le réglage télé, enfin dans le truc de télé, hein. Là, vous verrez des trucs qui bougent. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Des trucs qui bougent. Là, je vais vous montrer si vous voulez, hein. Allons. Ah, y a un minlou. Y a un praponais. Y a. Y a. Y a. Y a. Tu cherches quoi? Je sais plus. Comment ça, tu ne sais plus? Si toi tu le sais plus, comment moi je vais le savoir? Très drôle, Amélie, très drôle. Non, c'est pas ça. Allez, dis. Allez où? En Chine. Mais dis, pas qu'on est. C'est marrant, hein. Et moi, je vais pas en Chine, hein. Pourquoi? On mange du chien. Peut-être que c'est mais moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est parce que chez Nimigé que je veux aller dans l'enfer, hein. Bon. Allez. Elle ouvre cette télécommande. Ah là là. Il y a beaucoup, beaucoup trop de trucs dans mon truc, hein. Il y a trop de bâtards. Il y a trop de trucs, hein, en prêché dedans. Mais dis pas quoi. Non, mais c'est sérieux, hein. Je veux me mettre quelque chose et quoi? Attends, je pense que je sais où elle est. Je pense que tu sais où elle est. Ouais. Ouais. Elle était dans la cuisine. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la cuisine? Je ne sais pas. La dernière fois, elle était dans la cuisine. Dans la cuisine. Oui. Je ne sais pas comment elle a fait pour retourner dans la cuisine, mais elle était dans la cuisine. Et maintenant, elle retourne dans la cuisine. C'est mieux une cuisine. Hein? Ah ouais, hein? Là, par exemple. Voilà, je vais vous montrer.
Les beaux trucs. On dirait des mouches, hein. Ouais. C'est pas des mouches, hein, je vous rassure, hein, madame et monsieur. Il n'y a pas de mouche dans mon truc, hein. Non, non. Pas de hein. Ah, allez. Allez, saloperie. Mais des poney. Voilà. Allez. Okay. Eh ben, ça ressemble à. Hein? Oui, ça ressemble à des mouches, hein. Mais c'est pas des mouches. Voilà, ben, je parle de ça. On a qu'à regarder ça pendant. On a qu'à regarder ça pendant qu'on passe son temps, hein. On est quand même coincé. À moins que vous voulez lire le journal, les journaux. Voilà. Non, ça, c'est le calendrier, c'est pas grave. Mais vous lisez le, tu peux lire le calendrier pour passer le temps, hein, si tu veux aussi, hein. Mais bon. Mais bon. Hein? Allez. Soyons sérieux. Et donc, oui. Et en plus, il n'y a même pas de réseau. Alors, on ne sait même pas téléphoner. À mon avis, je pense qu'ils ont construit les murs avec du béton armé. Ouais. Aïe, 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 aïe. Hein? Si dans la vérité, j'ai du réseau. Hein. Mais dans ma PC, je fais semblant que je n'en ai pas. Ouais. Je veux pas de réseau, les gars. Ah non, ça. À part le téléphone fixe, il n'y a que lui qui a pas besoin de réseau. Mais lui, il a besoin d'un câble. Ah ouais, ça. Voilà. Ah ouais, hein. En fait, lui, c'est le téléphone fixe, mais sans câble. Et sans. Allez. C'est vrai, hein? Le GSM, c'est le fils du téléphone fixe. Un GSM, c'est comme un téléphone fixe, sauf qu'il n'y a pas de câble et tu peux le promener avec toi partout où tu veux. Donc voilà. Donc voilà, c'est l'enfant, enfin c'est le fils hein, qui est né le premier. Le téléphone fixe. Et bien le téléphone fixe a fait des enfants, et voilà son enfant. Voilà. Un GSM. Voilà. Bon. Et donc voilà. Hein. Bon. Ah ouais. Hein. Bon. Allez, soyons sérieux, hein. Je suis sérieux par poney. Mais tant mieux. Reste sérieux. Sérieux. Mais t'es pas poney. Attends, un mot. Quoi? Voilà. Je remettais. Bon. Mais ça compte pas. Hein. Bon. À moins que quelqu'un a un lecteur DVD. Parce que pour ça, on n'a pas besoin de câble. Enfin, si le câble du lecteur DVD, mais à part ça, on n'a pas besoin de câble pour. Personne n'a. Non. Ah ben alors, c'est pas grave, hein. Moi, le lecteur DVD, non, il n'y a pas. Si, il n'y a pas ça, si. Ah si, mais il n'est pas là, hein. Alors, je ne sais pas où il est, hein. À mon avis, il n'est pas là, parce qu'avec avec tout le bruit qu'on a fait depuis maintenant, avec la sonnette, hein, la lampe. Hein? Hein? Bon. Monsieur Pierre Boulanger, là, le journaliste, qui arrête pas de gueuler comme un bœuf à chaque fois qu'on fait. Ah, hein? Il a dû entendre. Hein? S'il n'a pas entendu, c'est qu'il est sourd. Hein? Mais moi, il n'est pas sourd. Mais c'est qu'il n'est pas là. Mais c'est pas grave, on est en train de. Hein? Encore un jour. Et un jour, c'est pas long, hein. Et un peu, pour ça, vous prêtez que vous avez tenu le coup pendant 4 jours. Un, enfin, 3 jours. Attends. Non, 4 jours. Samedi, dimanche, lundi. Ah non, 3 jours. Parce que vendredi, ça compte pas. Parce que vendredi, ça a commencé que le soir. Enfin, vers 5 heures. Vers 19h, oui, c'est ça. À 19h, vous êtes resté coincé à 19h, c'est juste. Ah oui. Ça me revient maintenant. C'est à 19h que vous êtes. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Hein?
La femme, elle a sonné sur la sonnette. Et toi, tu croyais que ça, c'était une deuxième pas pour sauter dehors. Et t'es tombé sur moi. Voilà. Ah ouais. Et Kevin, ça va, hein? On me l'a fait pas, moi, hein? Et en plus, hein, moi, je suis pas fier de toi, hein? Enfin, moi, je suis pas fier de toi non plus. T'es un avocat. Et en tant qu'avocat, normalement, tu dois connaître la maison par cœur. Oui, un avocat connaît le palais de justice par cœur. Il se trompe jamais. Et toi, paf, tu t'es trompé. Et en plus, t'arrives à te bloquer, à rester bloqué. Pas le corps, hein, mais je veux dire, oui. Quand on est bloqué, ça veut dire que, oui, bon, on ne sait plus partir. Pourtant, pour le moment, il n'y a rien qui sait partir pour le moment. Hein. Même les connards, vous avez lâché. Hein. Bon. Mais bon. En attendant, on est bloqué et il faut attendre qu'on ouvre demain les portes. Ah non, on va pas défoncer les portes pour ne plus être bloqué. Hein. Eh, ça va pas, non? On va pas casser les portes pour ne plus être. Hein. Bon. Oh. Oh. Quand ton dos est bloqué, tu casses pas ton dos. Hein. Bon alors. Imbécile. Bon. Eh bien, les portes non plus. Ils sont bloqués, mais on les casse pas. On attend demain. Ah, ben, c'est comme ça. Vous avez encore faim? Il dit, moi, ça fait déjà 7 jours que je mange pas. Je me porte pas bien, hein? Je me porte bien, en pleine forme. Hein? Dans la réalité, c'est pas vrai. Hein? Dans la réalité, je mange tous les jours. Mais dans la bête, là, je fais semblant que, voilà. Hein? Sinon, je serais comme mon petit doigt. Hein? Bon. Allez, ça, c'est le doigt. Bon. Allez. Et donc voilà. Je ne sais plus où j'étais. Non, c'est pas grave. Ah si, bloqué. Ah oui, bloqué. Oui, c'est ça, dans la pièce théâtre. Donc, on est tous bloqués, mais ça, c'est pas grave, on s'attend jusqu'à demain, hein, pour un jour. Au moins, comme ça, vous pourrez être fiers d'avoir tenu 3 jours. Mais bon, ça, vous avez faim, je vais vous faire manger. Pour ça, il reste encore des frites. Il y a un peu de steak encore. Et de la purée avec le sucre. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez pas la purée au sucre, c'est vrai. Pas grave. La purée au sucre. C'est pas grave. Je la donnerai au cochon. Pas grave. Il mange quand même n'importe quoi. Sauf qu'il ne mange pas de papier. Ah ouais? Mais les chèvres, oui, hein. Et vous savez que le seul animal, ben, je sais pas si c'est le seul, mais c'est le seul que je connais, en tous les cas, qui mange du papier. Ouais, c'est bien la chèvre. Hein. Ah ouais. Je demande si les extraterrestres ne sont pas mis dans le corps, enfin transformés en chèvre, ouais, qu'on ait l'affaire. Hein. Ah ouais. Hein. Quoique, j'ai des chèvres qui peuvent mourir, c'est vrai. Si, ouais, à mon avis, voilà, il sait se mourir, les extraterrestres. Ouais. Il dit qu'il n'a pas, il a pas, hein, il a rien compris. Hein. En tout cas, moi, j'ai compris. Si jamais c'est le cas, les extraterrestres, venez nous aider. Hein. On est dans la merde, hein, ici. Ah ouais, hein. Ouais, tous les pays mondiaux, on est dans la merde avec ce virus. Bon, ça, si vous êtes des extraterrestres, on n'atteint pas les maladies humaines. Hein. Vous êtes comme les animaux. Donc voilà. Ah ouais. Enfin, si, le chien peut l'attraper. Et le chat. Mais il n'en meurt pas. Même si c'est pas. Ça dépend en le donnant à quelqu'un d'autre parce que il sait pas le faire. Ah non. Ah non. Un type à la tête sur YouTube. Je sais pas s'il y a encore. Un type. Lui, il avait. Non, son chien avait le virus. Lui, il ne l'avait pas. Il a dit à son chat. Ah, ouais, c'est ça, il avait un chat. Il a dit à son chat, c'est pas grave. Donne-moi-le
Concentre-toi, tu seras guéri. Le chat voulu lui donner, et ça n'a pas fonctionné. Hein? Ah non, bon alors. Ah non, le sommeil ne l'a pas attrapé. Hein? Ah non. Ah non, le chien pour s'en débarrasser, il faut, lui, tu dois l'inimiger. Moi, je suis inimigé. Pas avec le même produit que dans nos chiens, hein? Non. Mais, voilà. En fait, l'inimiger, en fait, c'est des vitamines spéciales pour chiens. Et le nôtre, et non inimigé à nous, c'est des vitamines spéciales pour humains. Voilà. Hein? Bon. Hein? Ah, pas fait comme Albert et Albert, deux personnes que je connaisse. Hein? Ouais, mais, bon, comme le chien, il a le même estomac que nous, ça a été, ouais. Ils ont pris des vitamines pour le chien, et ils ont donné les fruits, ils ont donné allez, ça, allez, un rond, enfin, un truc comme ça de banane, un rond comme ça de banane, enfin, voilà. Et un rond de kiwi, un rond de pomme, voilà, au chien. Et eux, ça ne paraît pas, ils ont pris la vitamine du chien. Ouais. Ah non, non, aucun problème, tout baigne, seul problème. C'est que maintenant il commence à faire comme les chiens, à se gratter. Hein. À moins, même à aboyer, mais c'est dangereux. Hein. Bon, allez. De toute façon, ils sont sur YouTube. Donc, je vais les retrouver sur YouTube. Le nom, je sais plus, hein, mais bon, pas grave. Bon, allez, soyons sérieux. Ben, s'il y a plus, il n'y a plus. Hein. On s'en bat les couilles. Hein. Bon. Allez, soyons sérieux. Donc, vous êtes tous bloqués. Ça, on l'a déjà dit. C'est pas grave. Les disques, eux, sont rouillés, griffés ou griffés. Nous, on n'est pas griffés, donc on est rouillés. Mais comme on n'est pas du métal, on n'est pas rouillés. Donc, nous, on fait le disque rayé, plutôt. Voilà. Alors, non, on n'est pas rayé. Radoté. Voilà, radoté. Pour les humains, on dit radoté. Pour un disque, on dit griffé ou rayé. Pour le métal, on dit rouillé. Pour les humains, on dit. Allez, je vais donner attention, les gars. Il faut écouter, hein. Alors, je ne vais pas répéter. À moins que vous ne le savez plus. Radoté, j'ai dit. Il faut suivre, hein. Bon. Ah ouais, mais, hein? Bon. Ouais, mais vous êtes pire que mes élèves de secteur économique, hein? Ah ouais! Moi, j'avais dans une école, hein? Ah, mais, hey, c'est pas des cas à part, c'est des cas à part, hein? Oh, ouais. Rien que pour chercher les cours, il ferait exprès de rester coincé dans les WC. Ouais, mais, hey. Hein? D'ailleurs, maintenant, quand ils veulent aller aux toilettes, ils doivent d'abord signer un mot, pas chez la directrice, chez le professeur, je vais bien aux toilettes. Voilà. Et je reviens quand j'ai fini. Voilà. Bon, ça peut arriver que ça met 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est vrai. Mais jamais 10 heures. Et avec eux, c'est toujours 10 heures. Alors, le prof, enfin, moi, en tant que prof, j'ai dit, c'est 10 heures. À mon avis, il faut aller voir un médecin. J'ai répondu à mon élève. Mais quoi, c'est vrai? Hein? Ah, c'est quoi? Hein? Oh, ouais. Ah non, passer à Paris, hein. Ah non, hein. Passer à Paris, non. Moi, mon école, mon lycée, lui, sauf en Belgique. Ah ouais. Ah oui, il y en a un en Belgique, hein.
Bon, ça s'appelle pas vraiment lycée, ça s'appelle plutôt Athénée, mais moi je préfère des lycées. Ça résonne, ça, voilà. Un Athénée, c'est quelqu'un qui, voilà, qui sait pas où il est. Voilà. Donc voilà. Bon. Ah ouais? C'est comme ça la frite, hein. Bon. Allez, les frites. En parlant de frites, il n'y a pas des frites, hein, si vous voulez, les gars. Oui, c'est avec vous, hein. Fait comme chez vous à la maison. Sauf que vous êtes. Sauf que quand à la maison, si vous voulez les sortir, ben si, c'est pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Hein? Si vous voulez vraiment sortir, il faut attendre, hein. Ben, demain. Oui. Oui, c'est dit demain. À mon avis, quand il a dit à demain, il est en train de dire c'est demain, à mon avis, tu sais. Ah ouais. Oui, mais les dictons, il y en a un que je vais supprimer. Ouais. Ah ouais. Il est à chier. Non, mais souvenez, il est vraiment à chier. Pas haché, à chier. Chut, voilà. Ah ouais. Le dicton. Je sais pas qui a inventé ce dicton-là, mais il n'a pas à être devant moi. Sinon, je vais le dénoncer à la justice. Ah ouais. Et il va aller en prison. Ah ouais. Il a dit, toutes les femmes sont tous des points-points, sauf, voilà. Sauf sa mère. Mais c'est faux. Ils sont tous innocents. Les femmes sont de la tendresse, de la générosité, de l'honnêteté. Et puis, ils vivent plus longtemps que nous, malgré que c'est eux qui souffrent le plus. À moins, l'accouchement et tout ça. Hein. Un homme, il n'accouche pas. Hein. Bon, alors. Hein, bon. Donc les femmes, ça se respecte. Je dis pas ça parce que je suis gay, mais c'est même si j'étais bisexuel, j'aurais dit la même chose. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Ben. Bon. Ah ouais. Donc, il faut attendre demain. On n'a pas le choix. Ah ouais, hein? Oh non, oh, parce que demain, oh, parce que demain, oh, parce que demain. Stop! On s'organise! Cria le journaliste. Oui, bah. Comment vous voulez qu'on s'organise? Hein? Il n'y a rien à faire ici. Hein? La télé, il n'y a pas de câble. Les portes, on ne sait pas les ouvrir. La fenêtre, elle est trop petite. La seule personne qui s'est passée, c'est un chat. Alors ça va, hein? Ou un chien. Ouais. Mais un petit chien. Mince. Comme Milou. Ouais. Mais bon. Qui s'est va faire, lui? Hein? Ouais, bon, d'accord. Il s'est appelé de l'aide. Ouais. En aboyant et en demandant aux autres chiens d'appeler. Oui, et ça va, hein? Oh. Tu gâtes la télévision, hein? Dans la réalité, ça marche pas comme ça, mon vieux. Bon. Allez, ça va, sérieux, hein? Bon. Donc, pourtant, ah ben, voilà, quoi, les mouches, hein? Enfin, les trucs comme je vous ai montré, hein? D'accord. Ah, c'est beau, regarder les mouches. Hein? Il y en a 20 000, t'en es sûr? Comment tu le sais? Ça va tellement vite. Ah, tu comptes, ah oui, tu tires plus vite que ton ombre. T'es comme les Kulup. Bah rien. Rien. Oui, monsieur Pierre Boulanger, je sais, vous n'arrêtez pas de dire, il faut s'organiser,
Mais donnez des idées, vous, au lieu de jouer le patron. Hein? C'est bien jouer le patron, mais il faut aussi montrer le bon exemple. Hein? Alors, vous avez des idées, vous? Vous voulez. Hein? Bon, alors. Hein? Et à force de crier, vous allez devenir à fond, hein? Ah ouais, mais. Hein? Bon. Hein? Ah oui. Ah oui. De toute façon, on est coincé. Donc, il faut attendre demain. On ne sait rien y faire, c'est comme ça. Alors, ça ne sert à rien de se. Hein? Bon. Et là, la suite de la pièce de théâtre, on s'organise, c'est pour demain soir, mais dans la pièce de théâtre. On fera semblant qu'on est déjà l'après-midi, même si c'est pas, hein, bon, hein, donc voilà. Et maintenant, voici les aventures et les histoires de Jeannot et Jeannette. Belle maman, vous allez venir. Oui. Bon. Allez. Oui. On est lundi, mais on compte plus lundi, donc. Donc, c'est plus 8 jours, mais ça, c'est demain en 7. Voilà, vous inquiétez comme ça, demain en 7. En 7. Oui, demain en 7. Ils ont compris, ils ont compris, tant pis pour eux. Hein. Et ça sonne, belle maman. Allô? Oui, c'est cette maman. Oui, Raoul? Oui, il vous reste plus que 7 mois. Demain, moins 7. Oui. Oui, t'as compris, hein? Oui, hein? Ah oui, hein? Ça veut dire que lundi prochain. Tu reviens? Oh, oui, hein? Ça va aller vite, hein? Encore 7 jours, tu es là, hein? Enfin, vous êtes là, hein? Vous êtes où? Parce qu'il ne reste plus que 7 jours. Vous êtes où? Dans le kayak. Et vous êtes où? Oh non, de la Suisse. Non, vous êtes déjà en Suisse. C'est trop tôt, il reste encore 7 jours. Eh ben, restez dans le nord de la Suisse. On met comme ça, on est sûr que vous êtes déjà en Suisse, mais que vous êtes encore en train de faire votre tour du monde. Voilà. Et au moins, on est sûr que là, vous êtes en zone verte. Ah ouais? La Suisse est en zone verte, hein? Ah ouais, Raoul? Dans la réalité, j'espère aussi, hein, bah, normalement, oui, hein. Je vais quand même me renseigner. Mais je pense, normalement, je pense, hein, mais je suis pas certain, je pense que la Suisse est en zone verte. C'est la zone rouge, c'est la quarantaine, hein. Vous voyez que le dentaire, ah non, c'est juste. Bon. Mais, il y a qu'à se renseigner, hein, pour voir si c'est en zone verte. C'est ça, la zone rouge, ils doivent mettre le masque, hein. Ah ouais. Ah bon. Au moins jusqu'au 31 juin. 30 juin, pardon. 30 juin. Ouais. Hein? Hein? Mais quand on dit 30 juin, ça veut pas dire qu'il faut fermer tous les joints du robinet, hein. Ça se fait pas le joint du robinet, hein. Bon. Hein? Bon. Un bel moment. Ah ouais, vous avez raison, hein, Jeannot. Oui, tu veux pas la papille? Oui, on te le passe. Allez, le papy des deux Raoul est muet. Enfin, il est. Enfin, voilà. Ouais, belle maman. Ça va, belle maman. Ah ouais, hein? Alors, quoi de neuf? Ben, qu'est-ce que c'est avec les deux Raoul, hein? Ouais. Bon, vous avez fini? Oui. Alors, papy dit qu'il est très content. Il dit que
que si jamais vous êtes dans une zone rouge, c'est bien de tourner en Italie, à Venise. Mais le seul problème, c'est que... allez. Le seul problème, c'est que vous partez plus tôt, ça c'est pas grave. Ou alors vous restez dans l'eau, dans le kayak, au milieu de la mer. Alors moi, vous êtes sûr que vous êtes en zone verte. À moins, à 100%, même si les 100% n'existent pas, hein, ils existent quand même. Hein. Bon alors. Je parle de la zone verte, hein. Elle existe à 100% dans la mer. Mais la zone, hein, je parle pas du danger qui appartient à la mer, hein, Andouille. Celui-là, il n'est pas à 100%. Non. Mais je parle pour le... Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Mais voilà. Il n'y a pas le virus dans la mer, hein, imbécile. Bon alors. Donc la zone mer, là, même les océans, hein. Ah ouais, Raoul? Toutes les mers et tous les océans sont en zone verte. Ah ouais? Ah ouais? Non, mais les mers ne doivent pas avoir peur que l'océan se jette dedans. Hein? Ah non, hein? L'océan se jette dans la mer. Hein? Ou c'est l'inverse, mais de toute façon, un des deux, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ils ne doivent pas avoir peur de l'un ou de l'autre, parce que de toute façon, ils n'ont pas. Alors, ah ouais, hein? Mais il y a un Raoul, hein. Ah, il y a un Raoul. Oui. Ah, il y a un. Ah, Roselyne, Elle veut pas la papille, Le papy de Roselyne, lui au moins il sait parler. Allô, ouais, tu vois, ouais, ensoleillé, ouais, tant mieux. Allô, ma chérie, toi aussi t'es ensoleillé, oui, pas trop chaud, non, tant mieux. Ah, ouais, il le faut, hein. Qu'est-ce qu'il dit ton homme derrière toi? Hein, Henri? Hein? Raoul? Dis pas ton nom dans ta bouche avant de dire une connerie! Oui, Raoul, oui. Ah ouais, hein? Dis pas ton nom dans ta bouche! Ta langue, dans la bouche, tu la tournes 10 fois avant de dire une connerie. Comme ça, t'es sûr de pas dire la connerie. Laisse tomber, Raoul. Ouais. Ouais, ma chérie, il faut, au moins, la voir. Voilà. Ah oui. Ah, vous voulez parler à papy de Tintin et de Milou. Pas de problème. Hein. Le papy de Tintin et de Milou. Ouais. Alors là, ouais. Oh, moi, je m'amuse, hein. Mais ouais, mais c'est comme ça. Allez, au revoir. Voilà. Oui. Ah, Jean-Jean et Jean-Philippe et Nicolas veulent parler à leur papy. Il n'y a pas de problème. Allez, le papy de Jean-Jean-Jean-Nicolas, allez, c'est parti. Alors, les gars, oh, ça c'est sûr, hein. Oh, mais ouais, allez, au revoir, voilà, oui. Ah, Raoul avec le H, oui, il veut parler à sa femme, oui, je le parle, enfin, oui. Allez, belle maman, vous avez le rôle de Tintin. Mais elle est où la voix Tintin? La voix Tintin, elle est là, en photo, mais elle est fatiguée. Oui, elle est tout le temps fatiguée. Oh, ça va, belle maman. Hein? Bon. Allez. Allô? Mon chéri? Oui. Oui, c'est moi, ta femme. Oui. Quand tu rentres? Oui. Je te laisse un jour de repos. Oui. Donc, la casserole. Tu penses à la casserole que le 1er juin? Oh. Mais maman, quoi? On dit pas ça. Si, moi je le dis. Hein? Alors ça va. Parle pour toi. Mais moi je parle pour moi. Ah, oh, oui. Alors, hein? Merci. Ah non, 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 hein? Dis. Bon. Alors, Raoul, oui. Oui, ne va pas trop loin, hein. Dans 7 jours, vous revenez, hein. Oui. Eh ben, quoi? Rome? C'est en zone rouge? Oui, eh ben non, on ne faut pas y aller. Venise? C'est en zone rouge? Non? Ah, mais vous êtes à Venise. Oui, ben, alors restez à Venise, hein, on leur a dit. Ah, ouais. Mais sur le kayak, hein. Ah non, vous voulez visiter l'île, tout? Non, on n'a pas le temps, hein, Raoul.
Pour visiter Venise, il faut au moins 10 jours, hein, pour bien tout voir. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Oui. Ah ouais, Raoul. Alors, voilà. Oui, Raoul, arrête-moi ta femme qui veut déjà te mettre en... qui veut déjà faire ton affaire. Ah ouais. Oh, mais le manque de sexe, hein. Ah ouais, hein. Ah, mais, hé. Ta maman, c'est pas mieux, hein. Elle est la manque de la... Elle passe... Elle fait son affaire au papy Allez. Au papy de... Allez, comment il s'appelle encore? Au papy de Roseline, hein. Ah ouais, hein. Ouais, parce que le papy de Roseline et belle-maman... Enfin, voilà. Oui. Enfin, oui. En plus, il a mis ta mère en cloque, hein. Oh, elle est en cloque, hein. En cloque. Ça veut dire enceinte, imbécile. Oh là là, dis. Faut tout expliquer ici, hein. Oui. Ah ouais, elle est enceinte, hein. Ah ouais. Bien sûr, d'un être humain, hein. Pas d'un animal, hein. On douille. Oui. Allez, c'est ça. Oui, au revoir. À part les conneries, sinon, à part ça, c'est leur connerie, à part ça, tout va bien. Ils sont en train de ramener, mais ils vont aller dans une île, mais non, zone verte, hein, obligatoire, hein. Enfin, c'est pas obligatoire, hein. Mais qui dit zone verte dit le paradis, qui dit zone rouge dit l'enfer. D'accord? Comme ça, vous le savez. Là-dedans. Faut le retourner là-dedans, hein. Ça passe là-dedans, mais ça fait pas de l'autre côté, hein. Hein? Non, il faut, voilà. Mettez comme moi. Voilà. Ça passe par là. Et ça restera là-dedans. Zone verte, le paradis. Zone rouge, l'enfer. Voilà. Bon, ça, c'est resté là-dedans. Voilà. Bon. Ah ouais. Et ça va, c'est moi. Bonsoir. Bon. Et maintenant, les aventures et les histoires de jeunesse, c'est fini pour aujourd'hui. Mais il revient demain. Ah ouais. Bon. Papa, mon du boudin, au moins. Mais c'est pas obligé de faire du boudin avec du cochon, moi c'est sympa le cochon. Tu peux faire du boudin avec du mouton ou du boudin avec du sauce, avec de la chèvre. Hein. Bon alors. Bon. Au moins. Hein. La merguez, c'est une saucisse, mais c'est du mouton ou de la chèvre. Voilà. Ben, c'est plutôt du mouton ou de la chèvre. Mais tu peux faire... Hein? Bon, alors. Bon. Allez. Maintenant, des bonus. Là. Ah. La tablette. Non. Elle ne veut pas. Elle bug sur les... Oh. La tablette. Je me casse les nichons. Même si j'ai pas la... Même si j'en ai pas. Mais j'ai la place pour en mettre. Au même endroit que mes tétons. Bon. Là, il y en a. Ça craint. Sur la tablette, il n'y en a pas, il y en a. Voilà. Je vais parler au clown. Magnifique. Non, heureux. Attends, magnifique, heureux. Non, heureux, heureux. Le clown, heureux. Parce que le clown magnifique, lui, c'est son frère. Lui, c'est le clown heureux. Heureux. Oui, le clown heureux, pas magnifique. Le clown heureux. Voilà. Ou magnifique, je sais plus. Non, heureux. Heureux. Ouais, c'est ça. Salut! Ça va? Ah ouais! Tu t'amuses bien chez toi à la maison? Oh ouais, hein. Ah, mais tant mieux, hein. Ah ouais, il le faut. Ah ouais, il le faut, hein. Ah, ça, c'est sûr, hein. Alors, ça va? Ah ouais. Tant mieux, hein. Ah, mais bien sûr qu'il le faut, hein. Ah, t'es content? En juin, tu peux bientôt aller faire le clown dans le cirque? Ouais, mais avec le masque, hein? Ah oui, avec le masque, hein? C'est jusqu'en juillet. Jusqu'à fin juin. Jusqu'au 30 juin, le masque est obligatoire. Jusqu'au 30 juin. Et à partir du 30 juin ou à partir du 1er juillet, le masque va faire obligatoire à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais on va voir si vous entendez parole. Allez, ça, on lui tes paroles, hein. Mais les autres, on ne sait pas. Donc voilà. Bon. Ça va bien, un peu.
Voilà, on va mieux comme ça. Ah ouais, t'as raison. Ah ouais, bien sûr, j'ai raison. Hein. Ah ouais, c'est normal. Hein. Ah ouais, qui dit, il doit être fait normalement. Hein. Ouais, et bon. Hein, la seule personne qui est honnête dans le gouvernement fédéral présent à l'heure actuelle, enfin, qui travaille, c'est Alexandre Cro, qui est le seul sérieux. Pour le moment. En haut. Mike de Bloch, elle n'est pas sérieuse. Non. Elle a dit, si ça avait été moi, j'aurais pas fermé mon coiffeur. T'as vu? Elle avait dit son coiffeur. Égoïste. Elle pense même pas aux autres. T'as raison, hein? En haut. Ouais, il faut s'amuser, hein. T'as des gens maintenant. Ah ouais, je suis chez moi maintenant. À un moment, je suis chez moi. Ah, mais ça se voit. Ah ouais. Allez, au revoir, au revoir. Voilà. Encore des invités avec qui je peux parler? La tablette, là, elle me chie dans le cul. Mais dis pas poney. Oh, c'est drôle, papa, je suis mort de rire. Oh, pète un bon coup, ça ira mieux, hein. Mais dis. Non, c'est nul. C'est toi qui es nul. C'est toi qui es nul. Trop de balles. Mais dis. Non, c'est nul. Trop de balles. Mais dis. Tête de bite. Mais dis. Poney. Quoi? Mais dis. Mais dis. Ah oui. Et si je vais vous présenter grande bouche. Oh là là. Et après, c'est son nom. Elle s'appelle Grand. Enfin, non, enfin, moi, je l'appelle Grand, hein, Grand Bouche. Mais elle s'appelle pas Grande Bouche, hein. Alors, Grande Bouche, ça va? Ouais, ça va, toi, ça va? Ah, il le faut, hein. Oh, moi aussi, il le faut, hein. Alors, Grande Bouche, t'as une grande bouche, hein? Ouais, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh. Tu t'amuses bien comme bouche? Ah oh ouais, tous les jours, hein? Hein, c'est bien. Ah oh ouais? Et ton mari? Mon mari? Ah, oh, je suis cocu. Ah bon? Ouais. Il est parti avec une autre femme. Ah ouais? Ah ouais? Notre fils, il est rentré et dit, maman, oui, j'ai vu l'autre. Oui, mais c'était pas avec toi. Oh, mais ça, hein? Oh, mais enfin, quand même, hein? Oh là là, dit. Ah, ben ça, il fait attendre. Ah, ouais, mais enfin, dit. Moi, une femme aussi belle que moi, face à moi, c'est scandaleux, hein? Ah, mais ça, hein? Ouais, mais enfin, dit. Hein? Oui, t'as raison. Ah, ouais, j'ai toujours raison, hein? Quand je vois ma bouche, on dirait un tunnel qui s'ouvre. Oh. Regarde, c'est vrai, regardez. Ah ouais, on dirait un tunnel qui s'est ouvert. Ah ouais, vous voyez, j'ai raison. Hein. Ah ouais. Allez, au revoir, au revoir. Voilà. Et qui lure? 49. C'est bon, on n'a pas le temps. Ça chie là-dedans. Mais dis pas poney. Voilà, comme ça, j'ai l'heure là. Bon. Encore un bonus. Qu'est-ce que tu dis? Rien, il s'est rien dit, il est mort de rire. Mais dis, pas poney. Encore un invité. Non, pas du thé, hein. Un invité en douille. Non, ça, c'est nul, ça c'est rien. Non, ça c'est nul. C'est nul à chier. Mais dis, pas poney.
Salut les chiens à moi. Ça va? En vrai, nous, on va très bien, nous les chiens à moi. On dit chiens à moi, mais on n'est pas des chiens, on est des humains, mais c'est pareil. En vrai, nous, on est des chiens à moi. En vrai, on est collés, hein. En vrai. Et à part ça, rien de spécial, et on s'embrasse. Ouin. Ah ben c'est bien ça, un ouin. Tant mieux pour vous, un ouin, tant mieux pour nous, un pour Dôme. Mais vous n'avez pas le même visage. Si, hein? Ah non, mon chien, moi, il est un peu bronzé. Il est bronzé. Oui. Ouais, il va toujours au soleil, hein? Oui, il va pas loin, on a le même corps, mais bon. Mais bon, par ça, il va au même endroit. Ah, c'est comme ça. Dis-le. Oh, ouais, je vais au même endroit, moi. C'est comme ça, il n'y a pas à dire. Tu vois, il l'a dit. Mais c'est bien ça. Un ex, c'est bien. Allez, au revoir. Voilà. Pour le bras, il n'est pas poney. Si on peut se mettre des portes dans le caca, me dis, papouane. Et ça, c'est... Allez, la fille de Véronica, comment ça s'appelle encore, la fille de Véronica? C'est sûr que t'as mon amour. Puis, la fille de Véronica. Ah, oui. Elle s'appelle Jessica. Ah oui, c'est ça, Jessica. Ah, salut Jessica, ça va? Alors, comment ça va en Afrique? Ici en Afrique, oh, il fait chaud. Il fait trop chaud même. On a toujours resté à l'ombre. Hein? Ah, mais c'est il faut. Hein? Oh, mais enfin, moi je pleins. Voilà, mais les gens qui habitent ici, hein, il fait trop chaud pour travailler. C'est bien simple, eux, ils travaillent la nuit. Ah ouais, mais ça... Et nous, on a l'hiver, hein. Oui. Hein, qui ne se plaignent pas, hein. Ouais, ils sont obligés de dire, oh, on est obligé de travailler que chez nous. Alors, à ce moment-là, hein, ça va, hein. Ouais, t'as raison, hein. Ah mais bien sûr, j'ai raison. Et ton homme, comment il va? Ah, mon homme, ah, il va très bien, mais ça va failli là, des... Parfois, il oublie, hein. Il oublie quoi? Mais il oublie qu'il est venu, hein. Ah bon? Ouais, il va chez sa mère. Et puis, après, il oublie qu'il était chez sa mère, il retourne chez sa mère. Ah bon? Ouais, mais c'est grave, hein. Ah, ouais. Mais non, mais c'est vrai, je te le dis, hein, c'est grave, hein. C'est gravurne, hein. C'est graverne. Aïe, aïe. Et à part ça, rien de spécial, hein. La routine, ça. Aïe, hein. La routine, aïe. Allez, au revoir. Voilà. Non, c'est pas grande bouche. Grande bouche est venue après. Bon, maintenant, il n'y a plus de bonus là. Allez, les bonus dans le fauteuil. Ouais, allez. Qui va venir dans le fauteuil comme bonus? Comme invité, pardon. L'un des invités dans le fauteuil. Mais qui va faire les invités? Vous faites maman? Non, non. Ah. Qui alors? Je sais pas. Samson? Encore? Quoi? Ouais, c'est pas, vous avez les enfants,
Ceux qui n'ont pas, mais ils ont peut-être YouTube, hein? Un moyen. Voilà, tout le monde le voit. Ouais, tout le monde voit quoi? Non, tout le monde te voit, j'ai dit. Hein? Alors, corps? Non, alors, ah, alors. Qu'est-ce que tu fais de beau? Quoi? Il fait pas beau? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais de beau? Hein? Rien de spécial, hein? La grande routine, hein? Ah oui, la grande routine. Non, pas la grande copine. J'ai dit la grande. Oh. Oui, laisse tomber. Dis bonjour aux téléspectateurs. Hein. Bonjour aux aspirateurs. Non, aux téléspectateurs. Ah. Aux téléspectateurs. Ah. Et aux enfants. Aux éléphants. Non, pas aux éléphants. Aux enfants. Ah, aux enfants. Bonjour les enfants, bonjour les téléspectateurs. Ah voilà. Vous allez bien? Au revoir, moi aussi je serai bien. Et je le fais, ouais, au revoir. Il est faux, il est faux, hein. Et ça va pas, ils ne comprennent pas le langage du chien. Ah, dommage. Et j'espère que dans un spectacle, tu ne vas pas faire le chien. Ah non, non, non. Ah bon, quand même. Ah non, hein. Faut pas faire le chien. Ah non, 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 faut faire le phoque. Quand je t'ai vu, c'était pris pour un phoque. Ah ouais, hein? Un beau phoque, hein? Ouais. N'importe quoi. Comment ça, n'importe quoi? C'est toi, n'importe quoi? Comment ça, c'est moi, n'importe quoi? Ah ouais, hein? T'as fait ma chambre, hein? Ah non, un dromadaire, hein? Ouais. Il y a la différence entre le chameau et le dromadaire. Chameau, oui, il y a deux bosses. Et le dromadaire, une. Et si c'est pas l'inverse, non. T'as raison. Il faut bien briquer un chameau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire très peur. Il aspire 80 litres de plus. Il aspire. Ah, il suce l'eau. Ah, quand même. Ouais. Comme les vampires, ils sucent le sang. Ouais. Dis. Samson, quoi? Rien. Laisse tomber. Non, mais pas toi. Hein. Je sais, hein, j'ai compris. Hein. Et Paulette, elle va bien? Ah, Paulette, elle va très bien. Et Pauline, elle va bien? Oui, très 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 bien. Parfois, elle dort. Ah, mais ça, c'est normal, hein? Oui, mais tout le temps, hein? On se lève. Le matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à dormir. Puis elle se lève quand même. Oui, elle se lève. Pour la toilette. Puis après, elle va de nouveau dormir. Le soir, on se couche. Oui. Madame, elle dort. Ah bon? Ouais, mais moi je m'ennuie, hein! Ouais, mais bon. On va se dire des amis? Elle dort! Elle dort! Ouais! Elle dort! Elle m'a toujours dit. Ah, mais c'est grave, hein! Mais c'est grave! Ah ouais? C'est vrai, c'est grave! Ah, mais c'est grave! Mais bon, c'est la vie, hein. Ah ouais, mais enfin, une vie comme ça, hein. Moi, j'en veux plus, hein. Je ne vais pas divorcer. Ah, divorcer? Non, 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 quand même pas, hein. Ben, je sais pas, je réfléchis. Pourtant, pour les chiens, c'est pas cher, c'est gratuit. Oui, mais enfin, quand même, hein. Ouais, on n'a pas d'argent, le compte de compte, paye. Hein? Et puis, tu crois que le mariage entre chiens est valable? Bon, il est valable. Il y a valable entre humain et humain. Pourquoi c'est pas valable entre animaux et animaux? Je sais pas, je pose la question. Eh ben moi, je donne la réponse. Et la question. Voilà, elle les donne. Bien sûr, hein. Ça, c'est sûr. Ah oui, hein. Ah bon? Mais tant mieux. J'avais des doutes. T'avais des doutes? Ah oui, hein. Il faut pas avoir de doutes. Ah non, mais enfin, quand même, hein. C'est vrai, hein?
Pas de doute, pas de doute. Ah voilà. Et le 3 juin, bon, c'est quoi? C'est un match amical, mais bon, il faut quand même qu'il gagne, hein, comme ça, il continue à être dans le bain. Qui? Les Jeunes Rouges? Dans le bain! Pourquoi ils sont ça? Mais non, ça peut me parler, hein, Andouille. Ah bon? C'est toi l'Andouille, hein? Je t'appelle pas Samson. Hein? Monsieur Samson. Qui a quand même du son. Ouais, ça va. Hein. Elle est vieille comme le monde, hein, celle-là. Un Samson. Ah ouais, hein. Ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et Fred, comment il va, Fred? Fred, il va, et je sais pas, on le voit plus. Ma vie s'est perdue, toujours tu touches pas pointu. Hein, l'ascension. Hein, t'es drôle, hein? Je suis drôle, hein? Oh, oui, hein? Toi aussi, hein? Oh, oui, merci, hein? Mais il faut être drôle, il faut être drôle. Hein? Ah, ouais, il faut être très drôle, hein? C'est très, très, très drôle d'être drôle. Mais c'est bien, ah ouais, c'est très bien, c'est même magnifique, hein. Ouais, parce que pendant, ah si, hein. Ah ouais, hein? Je te le dis, hein. Ah ben, si tu le dis, Tom est pour toi, hein? Ah ouais, Tom est pour moi. Allez, au revoir, au revoir. Voilà. Toi, voilà. Tu étais là, pour le bras, vas-y. Et moi, je suis ici. Voilà. Voilà. Et on se retrouve demain à 22h. Ah oui. Le 3. On n'est pas encore le 3 juin. Mais le 3 juin, je commencerai mon spectacle plus tôt à ce moment-là. Ouais, parce que le football est à 20h45, mais à la télé. Ouais, sur la rebebe. Ouais, sur la rebebe. Allez. Salut. Mais demain, on se retrouve à 22h. Alors, à demain à 22h. Salut.